Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode de Casse et Blist. Ouais. À gauche. Que puis-je griffer? Je vais vérifier où ça m'emmène, ça. Ah oui, c'est la grotte qu'il y a ici. Mmh. Oh mon Dieu. Un monstre! Oh mon Dieu, c'était tellement prévisible! Terrarikiki! Un Terrarikiki, ouais. Ça va me booster. Oh mon Dieu. Par contre, la terre booste la terre. On va le changer en vert. En blanc. Excellent, en blanc. Le Kurikiki, il a récupéré la résonance. Ouais. On va faire ça. Et on va attaquer à distance. 5. La tempête de sable, quoi. Ça fait de ses dégâts. Ouais, c'est relou la tempête de sable. Lui, il fait que spammer tempête de sable, de toute façon. Bah oui. C'était un petit point pour te soigner. Bah juste à côté. Comme ça au moins tu te heals parce que c'est pas tout, mais ils ont quand même fait un peu de dégâts. Hein. Ils ont quand même fait un petit peu. En même temps, Terra Cuisto, il faisait que spammer tempête de sable. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu veux faire par ici? Encore? Décidément. Ressort cuisseau, un ressort talon avec un. Avec pas encore un Terra Cuisto. Un Terra Cuisto. C'est pas possible ça. Ils aiment bien fusionner avec le cuisto, hein. Bon, et du coup, terre cuite, je pense que c'est une technique passive en fait. Je pense que c'est une technique passive. D'accord. Voilà. Marcos, c'est cool. Ouais, Marcos, ça rime avec Gratos. Ah, il est marrant de ressort talon en vert. Mmh. Il est en blanc et tout. C'est il est tout blanc, ouais. Tu sais, ça a la chauve-souris albinos, quoi. Ça fait chauve-souris albinos. Ouais, ça lui va bien. Ouais. Il a dormi tranquille. Bah, bientôt avec 5 étoiles, notre petit chien.
Le petit chien bientôt à 5 étoiles. Et ouais. On va pouvoir Sonic bientôt. Sonic cassette métallique. Oh, pardon. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que justement, si je veux abuser un peu de cette stratégie, je vais enlever Don du sang, parce que littéralement, je m'en sers jamais. Et je vais lui mettre Zephyr. Mm-hmm. Je vais lui enlever Déphasage aussi, puisque bah pour l'instant... pour l'instant, on n'a pas... Je vais lui mettre Rituel. Pour l'instant, on n'affronte plus de fantômes. Bah ouais, je mets un petit peu d'eau, tiens. Fais-moi un petit peu de flotte. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, là? Ah, Nouvelle Londres. Ouais, je me disais qu'on pourrait aller à la Nouvelle Londres un petit peu. Ah, il y a des choses que tu voudrais récupérer. Oh, purée! Tu vis dangereusement, hein? Ouais, j'ai vécu dangereusement, là, oui. Je te confirme. Oh, volée de briques! Toi qui voulais voler de briques, justement. Ouais, mais parce qu'il y en avait une peu commune. Mm. Ah, là, il te faut quelque chose pour appuyer sur les boutons. Sur les boutons, ouais. Sur les boutons. Oh, tu dois avoir des caisses, quelque chose, non? Oui, il y a des trucs par ici. Ah, caillou. Tu sais, encore que, je me disais, ouais, on n'a plus besoin de déphasage, mais... Elle, je sais plus ce que c'est son gimmick. Bah, vu que c'est une clown, ça serait pas plutôt les ennemis que t'as là? Tu vois, c'est sur le jeu, etc. Ah, c'est la seule survivante? Penny Dreadful. Je pense pas qu'elle ait des fantômes, elle. Come on, Ned. Ça, c'est plus ouais, tout ce qui est chrono, etc. Du verre liquide, ça doit être. Mais Tu sais, tu vois. Ah si, il est en fantôme. D'accord. Bon, on va passer sur le mouton. Ok, elle peut changer prolongation. Et pas mal comme combo, hein, tous les deux, hein. Il prolonge son côté fantomatique. Eh, c'est pas mal, hein. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Un excellent combo tous les deux. Mmh. Ouais, tu vois, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est que tous les capitaines des veilleurs, ils ont tous un gimmick. Oui, ça c'est pas mal. Ils ont tous un thème et ils essayent de rester autour, tu vois. Ah, tu refais une prolongation. Bah oui, évidemment, gin tonic. Évidemment, gin tonic. Mais est-ce qu'il va devenir un fantôme lui aussi? Je ne sais pas. Donc, faire attention. Ouais, ouais. Tu vois, il devient fantôme.
Là, honnêtement, on t'entend. Oui. Protection. Autant attendre qu'elle se tue elle-même. Suis ton instinct. Oh là là. Franchement, tu m'impressionnes. Donc il y a une prolongation et une proie. D'accord. Bah écoute, on s'en est rudement bien sorti hein, finalement. Est-ce que tu vas avoir assez de cailloux à remonter par ici? Je sais pas. Tu peux pas remonter de cailloux en bouboule. Donc. Ah, joli, ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, t'as vu un bootleg? Bootleg à gauche. Bootleg à gauche. Sors pas de l'écran, il est où ton bootleg? Là-bas. Ah oui, le trafic crabe trafic poison. Crabe poison. Non, 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 merci. Putain, je vais le perdre à cause de ta prévention. Non. Non. Non, tu l'as pas perdu. J'ai tellement foncé dessus que j'ai pas pensé que les deux monstres qu'on a, ils attaquaient lui. Oh la vache. Oh, t'as eu chaud. Ah ouais, putain, le survivant de l'enfer, quoi. Oh, ce trafic crabe au niveau 5 qui a survécu, quoi. À des niveaux 38, les gens. Sérieusement, quand même. C'est un truc de ouf quand même. Venin non officiel. Ah oui, c'est excellent. C'est mon premier bout de la poison. Excellent. Ah, son impact est pas mal en plus. Puis bon, on va aller se heal et puis faire évoluer le petit toutou. Qu'est-ce que t'en penses avant de se quitter pour cet épisode? Wouf! Le wouf wouf, il fait slurp! Et voilà, le petit chien de glace! Spritzfire. Les Spritzfire crachent tellement de flammes qu'ils sont obligés de porter des lunettes spéciales pour protéger leurs yeux de l'épaisse fumée qu'ils causent en mettant le feu partout sur leur passage. Et il n'évoluera pas davantage. Non, dommage. Et puis bah, c'est là qu'on se quitte hein, du coup pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Et ouais, et on se retrouve demain pour la suite. Il s'appelle ciao.